Culture Mag maintenant, votre rendez-vous avec les arts et les spectacles. Dans ce journal, nous allons vous faire découvrir un joueur de oud exceptionnel, Barhoum Ezra, 81 ans, un Irakien qui a contribué à imposer la musique arabe en Israël, une légende que son pays est en train de redécouvrir. Nous l'avons rencontré. Au sommaire, également, Giacometti, le grand Giacometti, les prix de vente de ses sculptures flirtent avec les sommets. Eh bien, sans jaster, on peut également le voir, tout simplement, une expo rétrospective a lieu en ce moment en France, en Bretagne. Et puis nous irons en Israël, au nord du pays, dans la petite ville à majorité arabe de Sartnin. Le premier musée arabe d'art contemporain voit le jour cette semaine. Nous serons en ligne avec son directeur. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle à nos programmes. Voici maintenant le portrait d'une légende, d'une pure légende musicale. Un petit monsieur de 81 ans, un virtuose de l'oud. Né à Bagdad, immigré à Bassora, puis arrivé en Israël après avoir été chassé. C'est un vieux monsieur juif qui a consacré sa vie à imposer la musique arabe en Israël. Il est passé de mode, et puis pour cause. Mais c'était sans compter sur YouTube, qui lui redonne la gloire désormais. Le récit, Daniel Campos, avec Sandy Fortis. Sa technique et sa vitesse sont impressionnantes, tout comme la flexibilité de ses doigts. À 81 ans, Barhoum Ezra est l'un des compositeurs et virtuoses de oud les plus chevronnés d'Israël. Il ne joue pas seulement les grands classiques moyen-orientaux, il arrange et adapte aussi de la musique classique pour le oud, Brahms. Ravel. Barhoum peut jouer de tout. Né en Irak en 1934, il a passé son enfance entre Bagdad et Bassora. Sa vie prend un tournant amer 10 jours à peine après sa naissance, lorsque sa mère décède suite à des complications durant l'accouchement. Pour lui, la musique est un moyen d'expression. Tout a commencé par de la simple jalousie. Un jour, mon frère a reçu un violon, alors j'en ai voulu un aussi. Mais à la place, j'ai reçu un oud. Les techniques de base, c'est en Irak qu'il les a apprises auprès de son mentor, le musicien Ezra Yamin. Ses souvenirs d'une enfance heureuse en Irak prennent fin en 1951. Nos derniers jours en Irak, eh bien, la situation n'était pas bonne pour les Juifs. Des lois révoquant notre nationalité sont passées et nous avons reçu un avis de déportation. C'était simple, un aller sans retour, loin de l'Irak. Loin de conserver la moindre rancune contre son pays natal, Barhoum aspire à retourner un jour en Irak. J'ai pu aller en Égypte avec le violoniste égyptien Félix Mizrahi. Nous y avons rencontré Fouad El Mohandes, un acteur très célèbre là-bas. C'était une très belle expérience. هكذا يعبر أبو فريد عن فرحة السلام في كلماته وبرهوم في ألحانه ورافي بغنائه. Inspiré par le processus de paix entre Israël et l'Égypte, Barhoum compose alors la musique d'Ali Salam, un hymne de paix joué pour Anwar Sadat lors de son arrivée en Israël. Encouragé par les partisans de Sadat dans les médias, la chanson a même été diffusée à la radio en Égypte. C'était pendant la période de normalisation. Sadat avait ouvert la porte à une coexistence avec le peuple juif. C'était une belle époque. Une époque nostalgique pour Barhoum. Mais pour Barhoum, la musique, c'est aussi l'identité. J'ai toujours eu la position ferme qu'Israël est un pays oriental, un pays moyen-oriental. Aujourd'hui, malgré son âge, Barhoum fait son entrée sur les réseaux sociaux. Il apprend à télécharger ses vidéos sur YouTube, parvient à communiquer avec le monde arabe et gagne des milliers de nouveaux fans. Il est aussi le visage de la société Arab Instruments. Pour laquelle il donne des cours de musique, teste différents ouds.
Il contribue beaucoup à ma carrière parce qu'il télécharge mes chansons et j'ai beaucoup de réponses positives d'Arabie Saoudite et d'Égypte. Barhoum est peut-être un artiste oublié des Israéliens de moins de 40 ans, mais en y regardant de plus près, on se rend compte de l'immense contribution de cet homme dans la scène musicale arabe israélienne. Plus de 50 compositions originales, dont certaines pour des orchestres, sans oublier cet hymne de paix, cette chanson qui nous rappellera toujours la beauté de l'optimisme, Ali Salam. C'est magnifique. On va rester.